Salut à toutes et à toutes, bonjour. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur des petits jeux que j'ai fait pour réglisse. Donc pour commencer, il y a la petite cabane en carton là derrière. Regarde, tu veux le pompon? Avec un petit pompon aussi que j'ai fait. Ah, il adore. Il adore son pompon. Ah, t'es en train de me faire mal mon chat. Hop, raté, je vais le mettre dans la cabane. Hop là, il est où le bonbon? Il est où le bonbon? Regarde, il est là, dans la cabane le pompon. Hop là. Réglisse. Petit vilain. Hop. Et voilà, il rentre par le petit trou, il ressort par l'autre. Espèce de fou, va. Cette chaise, franchement, elle va être en fin de vie, elle va être super abîmée, elle est toujours en train de l'escalader. Mais ma selle, elle griffe de partout, la pauvre chaise. Un petit foufou, va. Tu l'aimes le pompon que je t'ai fait, hein? Bah ouais, c'est plus intéressant que les autres jeux. C'est un petit chaton qui déborde d'énergie et qui a besoin d'être canalisé. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de lui faire des jeux. Donc comme vous pouvez voir, les jeux en pompon comme ça, avec de la ficelle qui vient de chez Action, c'est l'idéal. Il adore. Un petit cul. Ouais, regarde-moi ça, tes petits yeux de foufou là. Hein. Ensuite, ce qu'il adore aussi, hein, comme tous les chats, c'est les cartons et les rouleaux de papier toilette, bien évidemment. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Regarde-moi ces yeux là, de foufou. T'as pas envie de jouer avec? Moi aussi, hein. Bah oui. Moi ça, le foufou. C'est un foufou. Et ensuite, avec les rouleaux de papier toilette, on peut y faire plein de choses. Vous les laissez comme ça. Hop, le chat joue avec. Ou alors, moi, ce que je fais, c'est que j'en fais des balles. Hop, il faut que je la refasse parce qu'elle s'est défaite, du coup. Des balles comme ça, en fait, il suffit de les découper en plusieurs portions et ça fait une boîte de balles. Après, pour y mettre des friandises à l'intérieur, mais il faudrait que je la serre plus en fait et que je la colle pour éviter qu'elle bouge et qu'elle se défasse sans arrêt. Bon, après, ça n'empêche pas de jouer avec hein. Les petits bouts. Monsieur Réglisse, il adore jouer avec. Hein. Regarde-moi ça. C'est qui ça? C'est monsieur Réglisse? Un petit cul. Non, 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 fais pas le méchant chacha. Fais des ronrons, t'es tout mignon, tout gentil, puis d'un coup, pouf, on sort les griffes. Ouais, regarde-moi ça, tu montes ton bidou? Tu montes le bidou, Réglisse? Oh, t'es beau. T'es tout mignon. Oh, bah là, mon chacha. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as ta petite langue de sortie. Mon chat. Ah là, c'est l'heure de la sieste, non? Non? Ah non, non, non. Ah non, non, c'est pas l'heure de la sieste. Stop, stop, Réglisse, tu fais mal. Réglisse, lâche. Bon, attends, il faut que je pose la caméra. Sinon, je vais avoir mon pull avec des trous. Et ça, c'est hors de question. Réglisse, stop. Vilain chat. Non, ouais. Petit, petit vilain. Joue avec ton labyrinthe de croquettes. J'ai mis la nourriture, regarde. C'est du manger ça. Ah oui, c'est du manger. Un voyou. Tu es un petit voyou. Tu es au courant? Regarde, là-bas, t'en as plein d'autres de croquettes, mon chat. Bon, Réglisse. Putain, une cabane là. Tu peux pas aller dans la cabane? T'es censé mettre tes papates dedans et sortir des croquettes. Voilà, comme ça. Ouais, c'est bien, mon chat. C'est bien. T'as compris? T'as encore une largue. Hop. Et ça peut occuper aussi vos chats s'ils ont manque d'activité pendant que vous n'êtes pas là.
Vous mettez un petit peu de croquettes ou des friandises selon ce que vous voulez dedans. Donc c'est tout simple, hein, il suffit de découper des rouleaux de papier toilette et de sopalin à différentes hauteurs. Comme ça, il y a de la difficulté du plus simple au plus compliqué. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout. Comme ça, ça l'occupe, comme si il chassait sa nourriture en fait. Hop. Et voilà, là il est parti dans son autre cabane. Ah, mon petit chat. Donc là, je vais y rajouter d'autres choses. Là, j'ai accroché un bouchon à l'intérieur. Donc, je lui mettrai d'autres choses. Comme il aime bien jouer avec les pompons, je vais essayer de lui refaire un pompon et l'accrocher à l'intérieur pour que ça lui fasse une zone de jeu aussi. Pour que le carton soit plus intéressant, même si de base, un carton est déjà très, très, très intéressant pour un chat. Ah. Donc voilà, ça lui fait une petite cabane comme ça, avec l'entrée devant. Donc, vous voyez, c'est des... ce carton-là, c'était le carton de... d'emballage là où il y avait son arbre à chat. Donc les créateurs de l'arbre à chat, ils savent très bien que les chats adorent les cartons. Ils avaient mis un mode d'emploi pour construire, réutiliser le carton pour faire une cabane. Sauf que ça n'allait pas, donc j'ai essayé de la faire. C'était un peu galère, j'ai dû bidouiller, remettre du scotch et tout. Bon, du coup, ça fait pas très très esthétique, mais on s'en fout. Le chat, tout ce qui l'intéresse, c'est que c'est un carton et qu'il peut se mettre dedans. Donc voilà, là il y a une petite ouverture là aussi. Comme ça, il peut passer sa tête. Passer là où il veut. Là, je sais qu'il peut passer. Et là aussi, largement. Hein. Là-dedans, normalement, il peut y aller aussi. C'est juste que bon, l'ouverture est plus basse et le carton est plus petit, donc c'est un peu moins intéressant. Même si, généralement, les chats adorent se mettre dans des cartons très étroits dans lesquels ils sont vraiment très, très, très serrés comme des sardines. Alors, tu l'as mis où ton pompon dans toute cette histoire déjà? Je sais même pas où il est. Tu l'as pas fait tomber toi, ton pompon? Tu l'as mis où ton pompon? Là, il va pas le pompon. Ih! Les pompons du minou. Mets-moi ça. Tout foufou le chacha. Ça, c'est tout simple à faire. Franchement, les chats, ils adorent. Faut juste que j'arrive à le faire mieux que ça parce qu'il n'est pas très joli. Et les fils, j'ai peur qu'à force, ils sont bons. Ah, parce qu'il est train de balle partout, hein. Comme un chien, prend son joujou, hop, et puis va là où il veut. Un petit cœur. Et pouf! Ah bah zut, alors il est tombé. Ouais, bien mon petit chat. Comme quoi, il faut vraiment pas grand chose hein, pour intéresser un petit chat. Oh, tu tousses encore, mon chat. Faut qu'on retourne voir le vétérinaire. Gros bidou. Petit foufou. Bon, alors t'es content de tes joujoux? Ouais. T'as pas envie de manger d'autres croquettes? Pas faim. J'adore ces petites papates. Il y a des petites taches noires sur ces papates. Et on donne pas le coup de patte à la caméra, non mais oh. Sur chaque papate, sur chaque doigt, il a une petite tache noire. Un petit cul. Aïe, méchant. Petit démon. T'es tout mignon, tout gentil, mais en fait non. T'es un petit démon incarné, toi. Avec tes beaux yeux jaunes. Ça, si t'as envie d'y aller dedans, Tira. Faut que je te mette plein de jeux pour que ça t'intéresse d'y aller. Ça, si t'as un petit creux, voilà. T'as ton petit coin, terre de cheveux. Ouais. Voilà. Tu vas faire dodo là. T'as été fatigué. Ouais, t'es fatigué, mon chat. T'es fatigué.
Sur ce, je vous laisse et à plus pour une nouvelle vidéo en compagnie de petit bébé Réglisse.